Bonjour et joyeux Noël à tous. Hier, j'ai eu un réveillon vraiment particulier. Et c'est ce que je voudrais raconter en quelques mots. J'étais censée effectuer un voyage pour aller passer le réveillon avec la famille. Le voyage devait être entre 17h et 22h, 23h par là. Et je prends la route, le premier train que j'ai emprunté après 1 heure de voyage est tombé en panne. Donc, on devait attendre, on ne sait pas combien de temps. Finalement, on a attendu 47 minutes. 47 minutes qui signifie quoi? Je rate le prochain train. Et si je rate le prochain train, au lieu d'arriver à 22h, 23h, je vais plutôt arriver à 6h. Où est-ce que je passe dans la nuit entre-temps? Je dois dormir à la gare. J'étais énervée. J'étais énervée et je me suis dit, mais Seigneur, si tu ne voulais pas que je voyage, autant mieux, fallait faire que quelque chose arrive pour que je reste une fois à la maison. Au moins, je dors dans de bonnes conditions. Mais ce qui est arrivé, est arrivé. Je dis, bon Seigneur, pourquoi est-ce que je dois passer la nuit là-bas? Qu'est-ce que je dois faire là-bas? Je n'arrive pas à donner un sens à ça. Je suis quand même partie à la gare, puisque je n'avais pas de choix. J'étais avec mon manteau et tout, pas vraiment au chaud parce que j'étais pas préparée à passer la nuit dans une gare. Je me suis assise là-bas avec un roman que j'avais dans le sac. J'ai commencé à feuilleter un peu, mais le sommeil était plus fort que moi. J'ai commencé à somnoler et je me suis dit autant mieux prendre une posture qui va quand même me permettre de me reposer un peu. Je me couche, je mets la tête sur le sac quand même. Et puis je dors un peu, mais pas avec trop un sentiment de sécurité parce que il m'est jamais arrivé de dormir à la gare. Quand je dors, après 30 minutes environ, je ne sais pas exactement combien de temps, il y a quelqu'un qui vient. J'entends quelqu'un qui m'appelle. Et puis j'ai sursauté parce que j'étais dans un coin un peu retiré. J'ai sursauté et puis c'était un homme sans abri. Il me dit qu'il a faim. Bon, déjà que moi-même, j'avais faim. Même le McDonald's était fermé. Moi-même, j'avais faim. Mais j'avais les oranges dans le sac. Je lui ai donné une orange et du coup, je n'avais plus envie de dormir. Je me suis levée, j'ai commencé à faire le tour un peu en chantant, en priant parce que je voulais aussi tout faire pour ne pas trop voir le côté négatif du fait que je sois en train de passer la nuit à la gare. J'entends en priant et c'est comme ça. J'étais vraiment surprise. Je suis repartie voir le monsieur. Je voulais un peu parler avec lui parce que, bon, je sentais la nécessité de le faire. Je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui voulait que ce soit comme ça. Et on a commencé à parler. Il ne voulait pas trop répondre parce que pour lui, il répond bien si tu viens lui donner l'argent. Et bon, je lui ai quand même parlé un peu. Ensuite, je me suis assise ailleurs. J'ai commencé toujours à chanter, à écrire un peu quelques petits trucs. Et j'ai rencontré d'autres personnes. Donc en tout, pour couper court, j'ai rencontré 6 personnes hier, parmi lesquelles des sans-abri qui s'approchaient même de moi. Et bon, pas forcément pour demander de l'argent, mais pour dialoguer, pour causer. Et j'ai profité de l'occasion pour leur demander, essayer de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont sans abri. Et bon, il y avait plusieurs raisons. Voilà. Ensuite, quand je parlais avec eux, c'est là où je me rendais compte que celui qui est venu me réveiller, là, c'est Dieu qui l'a envoyé pour me demander, tu penses que tu es venu ici dormir? Tu n'es pas venu ici dormir parce que je t'ai envoyé ici pour faire quelque chose. J'ai commencé à parler avec ces gens. On a échangé, on a beaucoup échangé. Et je me suis rendu compte que comme la gare ferme à 1h, eux, ils devaient sortir. Je ne sais pas où ils vont aller passer la nuit. Donc, 1h42, quand mon train est venu, je l'ai pris et eux, ils sont restés là-bas. Mais je suis quand même contente parce que Dieu a permis que je leur parle un peu de Jésus et tout. Et bon, je sais pas trop pourquoi, mais ils étaient contents. Quand on parlait, ils étaient heureux. Et ils me disaient qu'ils sont contents qu'on parle comme ça, qu'on échange. Oui.
on a échangé et je leur ai quand même parlé de Jésus. Je leur ai parlé de Jésus et je leur ai dit, demain quand vous allez vous rappeler de moi, rappelez-vous aussi de ce Jésus-là. Et bon, j'ai prié parce que c'est le Saint-Esprit qui va faire le plus gros travail. Je les ai rencontrés juste pour quelques secondes et je vais faire ce que je pouvais faire en ce moment-là. Bon, maintenant, il reste de continuer à prier pour eux. Ce que je voudrais dire, le plus important de ce que j'ai à dire maintenant, c'est yes, cette expérience m'a permis de réaliser à quel point les gens souffrent pendant Noël. Parce que ça, c'est Noël. Les gens souffrent et quand nous, on passe les fêtes dans une maison, au moins quelque part où tu peux dormir, il y a des gens qui, non seulement ils ne connaissent pas Jésus, mais aussi ils ne connaissent même pas les joies de la vie. Aujourd'hui, donc, j'aimerais te rappeler que tu dois être reconnaissant, très reconnaissant, premièrement, si tu connais Jésus. Deuxièmement, si tu as passé Noël au moins quelque part où tu as pu dormir. Troisièmement, si tu as au moins pu mettre quelque chose dans ta bouche pendant Noël. Et prenons peut-être une seconde de cette journée pour prier pour ces personnes-là qui ne connaissent pas la joie, qui n'ont pas d'abri, qui ont certainement beaucoup de difficultés, qui peut-être sont même dans des mauvaises conditions en prison. Prenons le temps aujourd'hui pour supplier la miséricorde de Christ pour ces personnes-là. Et passons un joyeux Noël.